Il était une fois un homme sur un toit d'une voiture. Il se prénommait Franklin. Et Franklin avait une mission importante, qui était de descendre de cette voiture et te dire « J'espère que tu vas bien, que t'as la patate, épisode 17, c'est Jaya. » Je me suis avancé au maximum de la mission, comme ça on perd pas de temps avec les trajets et tout le bordel où toi forcément au bout d'un moment t'en as rien à foutre. Et on va aller directement voir le L. Le L qui veut dire elle. C'est parti, téléphone qui sonne, mission avec Franklin. Alors, il est où ce truc? Il est là. Ça me rappelle les bons vieux GTA, les premiers. Tu décrochais dans la rue, t'avais des missions et tout. Bon, certains d'entre vous avaient encore que 4-5 ans à l'époque. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill, shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Bon. Maintenant, c'est devenu habituel, surveiller la prostituée. Pas de problème. Heureusement qu'ils nous mettent un petit récap parce que... Quand tu lis jamais... Dégage. Oh, ça va, vas-y, tire vous pète. Survie. Je vais te laisser tranquille, Blaster, pour cette fois. La dernière fois, je t'ai envoyé des centaines de milliers de personnes. Mais là, il va falloir arrêter de m'inviter. Parce que là, c'est plus des milliers de personnes que je vais t'envoyer. C'est des millions de personnes. Donc forcément, la prostituée, elle est exactement à 1,07 km. Sinon, ce serait pas rigolo. Allez. T'as dû remarquer, si t'as bien suivi le let's play, que j'ai encore la voiture de l'aéroport. La voiture gratuite. Là, j'ai pas ma... Oula, apprends à conduire. Là, j'ai pas la vaca tout équipée avec le super klaxon. Là, c'est un klaxon classique. Voilà, boum. Allez, un peu d'eau, il fait chaud. Ça rafraîchira les passants. Ça me fait plaisir, je te l'offre. On va changer ça parce que les... La musique dance des années 80, 90, c'est pas trop mon délire, moi je suis plus swag. Parce que Franklin il est swag. Franklin il écoute de la musique swag. Il est swag. Oula, oula là. Bon, elle est où la tepue? Elle est là-bas. Salut poupée. Je dois faire quoi? Ouais. Je fais quoi? J'y vais? Entrer dans le véhicule de la cible. Repérez bien ce véhicule et éliminez le conducteur. Excuse-moi, je t'en prie. Parce qu'il va falloir que je te démonte. Donc, repérez bien ce véhicule et éliminez le conducteur. On est OK. Ce qu'on va faire... T'as envie de baiser? Non, pas aujourd'hui, chérie. J'attends quelqu'un. Ah. Et je me fais remarquer si je passe auprès d'elle ou pas? Style, je me mets là. Je sors de la caisse. Je prends mon flingue, tranquillou. Je me cache derrière ma caisse. On attend que le gars arrive. Hein, au lieu de le courser en voiture, il monte dedans. J'abats le gars. Basta. À mon avis, c'est lui. C'est lui, je le sens. Alors, tout va être question de timing. Tu vois ? Tout dans le timing. Donc là, je vais marcher tranquille. Je fais style, on se connaît pas. Casse-toi, ok, c'est pas lui. Là, tu fais style, tu la connais pas. T'as juste un Uzi dans les mains, c'est complètement logique. Hein? Voilà, c'est lui. Je l'ai eu. Quittez la zone. Franchement, j'ai géré du poulet. Je sais que ça se dit pas, mais ça me fait plaisir. Je vais lancer une nouvelle mode. Gérer de poulet. Bon, on va quitter la zone, on va se casser. J'ai tué le gars qu'il fallait, c'est nickel. Toi, je t'ai sauvé la vie. Ça t'évitera de manger un kiki sale. Parce que forcément, ils ont souvent les kiki sales. Oula, on va aller sur la plage. Génial. Elle est où la zone? Je suis encore dans la zone ou pas? Ça va, j'ai quitté la zone, nickel. On décroche.
Lester. Hey man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Là c'est quoi ça, armez-nous ça. Mission accomplie, voilà. Bon ben je vous dis à la prochaine. Non, elle était tranquille celle-là. Ouh, il y a un petit jump de fou. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que t'as envie de me voir faire le jump de l'année? Atterrir sur la voie ferrée de la SNCF? On est là pour s'amuser, c'est parti. On va prendre un peu d'élan. Tout petit peu. Sinon c'est pas rigolo. Allez, petit dérapage, c'est parti. Le jump de l'année, je te l'offre pour toi, abonné de la PCC. C'est là. Jump de l'année, freestyle. Tac, voilà. Réception sur les roues arrière. Et maintenant, j'ai envie de te dire qu'on va retourner chez Lester. Et comme je me suis mis un peu dans la merde, bah maintenant j'assume. Il va falloir trouver une sortie. Donc normalement, tu as des sorties sur les côtés. Voilà. Hop, on va couper par l'eau. Hop, j'espère qu'elle a la patate. Voilà, hop, excusez-moi. Il y a vraiment des voitures passe-partout dans ce jeu. Hein. Même la voiture la plus pourrie, tu grimpes n'importe où, quoi. Lester, nous voilà. Et Lester, on va regarder où il est. Parce que Lester, nous voilà. Et s'il est à 5000 bornes, ça va pas le faire. Il est à exactement 1,6 km. Et ben, j'ai envie de te dire, à tout de suite. Nous voilà chez Lester, forcément il fait un peu chaud, donc j'ai dû enlever le capot et la vitre avant parce que ça ne sert à rien, tout simplement. Hop là, téléphone. Range ton flingue, tu vas exciter tout le monde là. Bon, tu décroches quand tu veux. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking he could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got him. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Eh ouais, il y a la bourse qui rentre en jeu. Et moi, pour tout te dire, je m'en suis jamais servi et je m'en tape la rondelle. Donc du coup, il peut avoir me donner des conseils ou des mauvais conseils, ça me fout. Faudrait peut-être que j'achète une voiture pour Franklin, ça serait plus fun quand même. Hop là, il servait à rien de toute façon. Personne ne prête attention aux feux dans cette ville, donc il y a un moment, les feux, tu les arraches, puis c'est tout, hein. On va pas se prendre la tête, hein. Allez. You got to me with some wheels of my mind. Hop. Changer de radio, elle est pourrie cette radio. Alors on prend quoi? On prend le tunnel, c'est ça? Tunnel. On met les phares, parce que moi je suis bien éduqué. Je fais quoi là? Il est où? Ok, donc moi je monte dans le bus, hein, c'est ça hein? C'est ça. Desservez chaque arrêt de bus pour localiser la cible. Bon. Sur Grenoble, on appelle ça la tag. On va dire que je suis la ligne 21. Je vais bien te desservir, je te le dis direct. Attention. Bon, on va essayer par contre de faire le bus, tu vois, qui roule bien. Parce que le bus qui défonce les poteaux, je sais pas si ça va le faire. Ce serait bien qu'on ait des missions annexes, comme ça, pour faire un peu de thunes. Appuyez sur rond pour observer l'intérieur du bus. Bon, ça a pas l'air d'être lui. On y va. Petite radio dans le bus, moi j'aime bien détendre les clients. Tu vois, moi je suis le bus Rastafari. Conducteur tranquille. Attention. Excusez-moi. Priorité bus, merci. On n'a pas de ceinture au ta gueule, t'as qu'à la mettre, hein, qu'est-ce que je te dise. Allez, arrêt numéro 58. Salut mon gros. Ouais, le chauffeur il est pas là, c'est moi aujourd'hui. Donc, si t'es pas content, c'est la même chose. Ça va, j'ai le feu vert, on peut y aller. La petite zone prioritaire au bus, arrêt de bus numéro 59. Et il est où? Il est là. Salut. Qui a pété? C'est bien, ça a mis de l'animation hein, dans la routine de tous les jours, bus aller au taf. Les mecs, c'est bien. Le chauffeur, il a changé, il grille tous les feux rouges. Ça pète, ça sent mauvais, c'est génial.
Attendez, excusez-moi, là je vais prendre ma priorité. Hop, merci. Voilà. Pousse-toi. Nouvel arrêt. C'est lui. Sradin. C'est quoi Sradin? L'autre, il est milliardaire. Et le mec, il va chourave un vélo, quoi. Je crois que je vais me le faire. Je vais me le faire avec le bus. Hop là, petite pirouette inopinante. Dépêche-toi, lève-toi. Lève-toi. Ah non, c'est quitter la zone. Je l'ai écrasé, c'est bon. Allez, on se casse. Quitter la zone. Allez, on se barre. Mission réussie. Elles sont toutes connes, ces missions. Non? J'aurais bien aimé prendre une voiture, mais j'ai peur de d'avoir les flics au cul. J'ai pas que ça à foutre. Allez, on quitte la zone. Allez, on va couper par là. Ce sera plus simple. Et on tombe de 653 mètres. Mission accomplie. Hein, réception sur la nuque. Médaille d'or, 7 000 $. Superbe. Et bah, du coup, ça fait avancer les missions, tout ça. Oula, il y a du monde. Tu sais quoi? Je vais me dépêtrer de ce bordel. Et je te dis à tout de suite. Excusez-moi. Merci mademoiselle. On y va. Non mais c'est Trevor, sérieux. J'ai un gars sur Twitter qui me disait toujours « Trevor, t'auras beau l'habiller super classe, dès que tu respawns sur lui, il est en slip dans les rues, quoi. » En fait, il a raison. Mais vu que je t'ai aidé quand les 1-1, tout pouvez-vous maintenant restructurer le chef pour les braquages. Bon. J'ai rejoint Trevor parce que Franklin n'avait plus vraiment de mission, mais j'ai l'impression... C'est quoi ces missions? C'est une mission secondaire, ça? MZ... Il y a le même B que pour Franklin. On va aller se diriger ici. Allez, on va aller se diriger. Ça veut rien dire, mais on y va. Moi, il me faut juste une voiture maintenant. Des voitures et des sapes. Tiens, la petite 4L, là, elle m'a bien. Dégage. Salut. Excuse-moi. Hop là. Merci. Il est con, parce qu'elle était mimi, quand même. Hein, frapper tout le monde comme ça, Trevor. T'es pas sympa. On est à 400 mètres de l'objectif. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une mission. Ça m'intrigue, c'est trop écrit en petit, un petit B comme ça. Mais on verra bien. J'espère que c'est pas une mission secondaire. J'espère qu'on continue bien l'aventure et l'histoire. Et puis voilà, j'espère beaucoup de choses, tu sais. Beaucoup. Hop, excusez-moi. Hop, on va prendre les escaliers. Voilà. Non, c'est une secondaire, ça. Non, c'est une secondaire avec les zombies et tout. C'est pas une mission, ça. C'est pas une mission. Ta gueule. Moi, je veux une mission. On se retrouve avec Michael. A tout de suite. Bon, Michael, il est bien défoncé. Et je crois que lui aussi, il a rien de spécial, c'est ça? Ouais, j'ai plus de mission de spécial. Il y a un problème. Je suis obligé de me faire les secondaires. Non? Il me reste que les missions bizarres. La maison à acheter, on s'en fout. Ok, lui il est pas dispo. On va appeler Amanda. Invité? Non. Dave. Je sais pas ce qu'il a à me dire, Dave, mais il va me dire quelque chose de spécial. Eh ben, figure-toi que je sais pas quoi faire. Est-ce que je peux appeler Franklin et compagnie? Allez, appeler Franklin. On va voir ce qu'il a à me dire. Invité? Ouais, du bon temps, ça. Je sais pas se te prendre. Retrouver Franklin à... Attends, c'est quoi? Je vais te prendre ta voiture, t'es bien mignon, dégage. Il est gentil, Michael. Contrairement à Trevor qui envoie des claques à tout le monde. Donc on va rejoindre Franklin et je sais pas ce qu'on va faire. A mon avis, c'est pas une mission, c'est juste... C'est pas une mission. C'est bizarre, j'ai pas de mission d'ailleurs. Excusez-moi. Hop, hop, pardon. Voilà. Hop, hop, hop.
Oh là, c'était limite quand même, hein. On passe par la vieille ville. Et on va retrouver notre ami Franklin. Il est où, Franklin? Il est là. De nombreuses activités sont disponibles avec vos amis, notamment... Ah, c'est du tennis ou des conneries comme ça, aller regarder le cinéma... Ouais, mais au final, ça sert à que dalle, j'ai envie de te dire. Donc ce qu'on va faire... Ouais, là, c'est que des activités, mais je m'en fous, moi. Ouais, il y a des bars, on est d'accord? C'est quoi ça? Un bar, ouais. Bon, allez, on va aller boire un coup, on va voir ce que ça donne. Allez, on va aller boire un petit coup avec Franklin. Et on va réfléchir pour l'émission, à tout de suite. Oula, désolé, je voulais pas. Bon, c'est fait, une bonne chose de faite, Franklin a bu un coup, on retourne à la voiture, et c'est super. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'il me reste à faire. Parce que j'ai vraiment pas de mission, quoi. C'est ça le truc. Bon, on va laisser faire ça, hein. Je vous dis à tout de suite. Bon, nous voilà à 100 mètres du point de repère que j'ai mis. On va voir ce qu'on nous propose là-dedans, hein, que tu veux, je te dise. J'espère que c'est pas une mission secondaire, quoi. Seul truc. Mais ça paraît pas... Ça ressemble pas à une mission normale. C'est tout ce que je peux te dire. Allez, c'est parti. Allez, mon Michael. Fais-moi rêver. L'entrée. C'est là? On y va? Non, c'est pas là. Ça a frappé la porte. Le M. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes. Hi. Oh. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So, what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met him, Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that, I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down, and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? La pauvre. You grab a vehicle, something. Trou de balle. I'll handle the gun. Alright! Bon, c'est parti, on va à l'observatoire avec Trevor. Je crois que j'ai trouvé une mission, ça fait plaisir. Ça n'a pas l'air d'être une secondaire, ça a l'air d'être une mission complètement normale. C'est cool. Get me on the headset. Ah, je peux pas monter avec lui? D'accord, bon, on se rejoint là-bas. C'est parfait. Non, elle est pourrie, cette bagnole. Je vais piquer la voiture du propriétaire, tiens, ce sera plus sympa. J'espère que ça va pas faire fail. Mais bon, il peut bien faire ça quand même. Je vais te dire, avec les risques que je vais prendre, la moindre des choses, c'est de prêter sa caisse. On y va. Nous sommes à 3,50 km. C'est quoi ça? Attendez, un instant, j'ai reçu un message complètement bizarre. Non, c'est pas ça. C'est ça. Non. C'est ça. Ok. Bon, ok. J'ai reçu un message, mais je sais pas où le lire. Yeah, okay. Well, I
Un choix complètement extrême. Qu'est-ce que je te dise? Bon, 3 km 28. J'ai envie de te dire à tout de suite. Bon, nous voilà à 400 mètres de l'objectif. Ça a été, comment dire, un peu le bordel. Mais on est arrivé. J'ai plus de phare avant. J'ai pété toute l'aile. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'arriver monter dans la camionnette. Allez, hop, c'est parti. Où est cette camionnette? Elle est là. Et je fais quoi là? Utiliser R pour viser. Ouais. If you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. Zoomer avec elle, ok. Viser la cible rouge calculée pour récompenser la distance. Pour compenser. Viser la cible rouge calculée pour compenser la distance. On est d'accord. Tirer sur le moteur de l'avion. Il est où cet avion? Il arrive ou pas? I got her. Southwest of the city. Il le voit au sud-ouest. Jet's moving. Gotta give a lead. C'est ça? Oula. Oh! BGM! Un coup! Plusieurs tirs sont nécessaires pour abattre l'avion. Ah, shit! Deuxième tir, nickel. BGM, il est où? Il est là. Non. Non. Voilà, troisième coup. Nickel. Bon, je crois que l'avion va mal. Il va se scratcher où le truc? Trevor. Ça, ça me fait plaisir. Suivez l'avion, récupérez la cible. L'avion, il est où? Là-bas, ok. Ça marche. Rond pour la caméra dessus. Ok, on y va. Allez, Trevor, bouge ton cul. Motocross, obligatoire. Jump. Allez, te casse pas la gueule. Fais pas le con. Me fais pas un vieux fail. Allez, mon traître. Courage. Il est là. On y va. Franchement, ça c'est de la bonne mission. On va changer de radio. Oula. Ah merde, non. Non, Trevor, lève-toi. Allez. Elle est où ta moto? Elle est où la moto? Elle est la moto. Dépêche-toi, parce qu'on va fail. Allez, entre deux arbres. Sinon, c'est pas rigolo. Il est là-bas. Allez, on y va. On perd pas espoir. Allez. Petit jump. J'espère qu'on va pas se vautrer. Nickel. On suit la traînée de fumée. Le petit cabri qui passe à côté. C'est magnifique. Hein? En osmose avec Bambi. Hop là. On va freiner un peu parce que moi je me connais, j'ai vite fait de tuer Trevor. J'aime bien cette musique. On va tourner un peu. On va couper par là. Et on va récupérer la cible. La cible elle est plus à droite, à gauche maintenant. Le petit jump. Où est ma cible? On va rester sur le rond comme ça je le suis bien. Oh elle est loin hein. Elle est loin. Le petit tracteur, la petite voiture, le petit grillage, le petit arbre, tout est petit ici. Tout fait chier. Bon, on va dire ça se passe pas trop mal, hein? À part la première vôtre. Ils sont où? Ils ont atterri en plein désert. Ah non, il a toujours pas atterri, hein? D'accord, il est encore en train de galérer, là. We're in land free. The shadows and the sun of night and it's gonna fall away. Allez. Hola. Petit jump. Magnifique. Freestyle, c'est pour toi, je te l'offre. Sublime. Ça, c'est du film d'action. Bon, il est toujours là. En mode galère. Oh, c'est pas... Je pense qu'il va atterrir sur la nationale, là, non? C'est ça? Le pilote fait ce qu'il peut, mais l'avion pique du nez. Olé! Faudrait juste que je me fasse pas renverser par une bagnole. Wow!
Bon. Tendu le truc. Allez, 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 allez. Je suis à fond là. La seule femme du coin, c'est le labo de Met. Allez, allez, allez. Il en peut plus le pilote là. Hop là, ralenti, ralenti. Voilà, superbe. Les petits piquets, on fait attention au décor. Hein. Le père Jaya, il se concentre. Hop, la petite rizière, nickel. Il est là, il est là, il est là. Il est où ce con? Il est où? Voilà, c'est bon. Un petit coup dans ta gueule. Et je fais quoi maintenant? On dépouille le chauffeur. On récupère la mallette importante. On remonte, à mon avis, sur la moto. Puis on se casse. C'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais ce mec, franchement, qu'est-ce qui se passe? Non, change de gars. C'est Trevor, mais l'animation de ce personnage, il est unique. Un gros dégueulasse. On retourne chez mon pote Michael et on doit aller quitter la zone en camion de préférence. En pétant un peu les grillages et on se casse. Bon, je sais pas si c'est bien prudent de se barrer avec le camion qui transporte la grosse arme qui abat un avion, mais bon, je vais te dire, va pas trop être difficile. Détruisez le fourgon. Hop. J'ai quoi? Grenade. Ok. On va mettre un peu d'essence autour du wagon. Enfin, du camion, quoi, du moins. Un petit trait pour la précision du truc. Voilà. Un petit pistolet. On court un peu. On se retourne. On vise la traînée. Et c'est parti. On range le pistolet. Et on regarde le camion exploser. Magnifique. Non, j'ai dit on regarde le camion exploser. Je vous laisse sur ce petit moment. Ah, c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce... Je me fais pouffer par un guépard, mais c'est... Depuis quand il y a des guépards qui se promènent dans la montagne? Il m'a fait flipper ce con. Bon, on recommence. Mais cette fois-ci, on va faire gaffe aux guépards. Depuis quand il y a des guépards, là? C'est même pas un hyène, c'est même pas un renard. C'était un guépard, le truc. C'était une lionne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se la faire à la grenade. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. On vise. Il est où le point? Il est là. Et on jette la grenade. Voilà. Maintenant, on prend la sulfateuse et on fait gaffe aux guépards. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres guépards parce qu'ils font un peu flipper les trucs là, ici. Maintenant, il me faudrait juste que je trouve un véhicule. On va marcher tranquille. Petit, 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 petit. Là, ici. S'il te plaît. Si, si. Hop, les pompiers qui viennent éteindre le truc. Petite musique mexicaine, comme je les aime. On décroche à Trevor et c'est parti. Ça marche. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'a fait flipper. C'est le coup du guépard.
Franchement, je m'y attendais pas du tout à me faire bouffer par une bestiole au milieu de nulle part alors que j'étais en train de brûler tranquillement une voiture quoi. Pardon. Hop, je peux te faire ça pendant 2,8 km. Allez. Yeah. Toujours dans le rythme, même avec le klaxon. Un, dos, tres, cuatro. Voilà. Nous sommes arrivés. Une petite brouette, un camion, c'est superbe. Maintenant, il faut que je trouve le point jaune. Sinon, je vois pas l'intérêt. Allez, le point jaune est là. Where is he? What has happened? Why did he have his car? Man, that piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia. She already called shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out, you know? It's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know what I'm saying. Qu'est-ce qui nous a fait le père Trevor? Mission réussie, atterrissage forcé. C'est génial. Et maintenant, je fais quoi, moi? Ouais, continuez. Et ouais, voilà. Bah, mission réussie. C'est bien le bordel. Il a fait le con, Trevor. Va falloir qu'on se cache un petit moment. Et je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est en train de faire l'épisode. Peut-être. C'est le bordel dehors. Qu'on va se faire une autre mission. Parce que du coup, j'ai fait deux petites missions à la con, plus celle-là. Qu'est-ce qu'il fait, Franck, là? Est-ce qu'il y a Trevor qui arrive, c'est ça? Non, que dalle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Salaire honnête. Ouais, tu m'étonnes. Il est un peu gros, le chien. Vous trouvez pas qu'il est un peu grassouillé, ce toutou? Non, on peut interagir avec, non, c'est pas ça? Non, ça c'est la patate. On dirait qu'il s'est fait péter le boule, le chien. Il a mal. Regardez. Aïe, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe. Bon. Oh, les jolis papillons. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On continue ou pas? Oh, putain. Génial. On va s'arrêter là. Épisode 17 terminé. Je vous kisse la molaire. Et on se retrouve au 18. Je suis un peu crevé. Ciao.